Où est-ce que je peux vous déposer? Au stade Roland-Garros. Très bien. S'il vous plaît. À la passerelle, je suppose. Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Oh punaise. Je sens rien, moi. Ah oui, d'accord. Passe ton bac d'abord. Alors, ça, c'est ce que ma mère me disait il y a maintenant 2 ans. Non, 3 ans même bientôt, quand je devais passer mon bac avant d'entamer une carrière professionnelle. Donc voilà, c'était vraiment, elle nous a saoulés pendant des années pour que je passe mon bac. Heureusement, j'avais 2 ans d'avance, donc finalement, j'ai réussi à l'avoir à 16 ans et j'ai pu me consacrer au tennis complètement. L'instit, ah d'accord, alors, l'instit. C'est vraiment un très bon souvenir. C'est pas le genre de film que je regardais 10 fois d'affilée par contre, ça c'est sûr. Même si j'aime beaucoup me voir quand je suis toute petite, puisque j'avais à peine 11 ans quand je l'ai tourné. Et ce qui me fait marrer, c'est que je suis tout simplement le personnage principal de ce programme, en fait, de ce téléfilm. Je suis quasiment plus à l'écran que Gérard Klein, donc c'est vrai que ça fait bizarre de se voir pendant 1h30 à la télé. Mais je me suis plutôt pas mal débrouillée, hein, que ce temps dit. Ah ouais, moi je trouvais ça super bien. Ouais, et l'anecdote quand même, c'est que à l'époque, elle était dans les meilleurs jeunes de la ligue. Ouais. Et ça lui a fait rater une compétition super importante. Et la ligue n'était pas du tout contente. Mais le CTR, il était vénère, il était énervé contre moi. Mais bon, ça a été tellement une bonne expérience pour elle que. Et puis finalement, cette compétition qui s'appelait le défi major, je l'ai gagnée l'année d'après. Voilà. Donc je me suis rattrapée. Hein. Mon favori pour Roland Garros. Je vais pas trop mouiller si je dis Rafa. Mais bon, c'est ce que je pense aussi. Donc, même s'il a perdu son set à Benny Berthé hier, je pense qu'il gagnera quand même Roland. Et toi, qu'est-ce que t'en dis? Ton pronostic? Ouais, je pense qu'il est. Il est vraiment au-dessus. Hein. Mais Djokovic, il est pas trop mal non plus. Hein. Djokovic sera proche. Il est pas mal, Djokovic. Ouais, ouais, ouais. Je parle pas physiquement, hein, mais il joue pas mal. Non, je parlais aussi de son jeu. Tu fais quoi si tu gagnes Roland Garros? Tour du club à poil. Au moins. Mon sportif préféré, en général, je vais pas redire Marion Tich encore, sinon ça fait vraiment la fille accro quoi. Mais bon, je vais dire Nadal, allez, parce que Nadal il a une super image et c'est un super champion avec qui est en train de marquer l'histoire par ses titres. Donc, merci beaucoup en tout cas pour le trajet, c'était très merci sympa. Merci beaucoup. Et passez une excellente journée. C'est gentil, en plus le temps est au rendez-vous, exact. Donc c'est nickel. Au revoir.